aussi tu voyages en boulet de canon parce que c'est plus classe et moins cher. Si toi aussi tu es envoyé comme ambassadeur parce que tu as tripoté la femme du vizir. Si toi aussi tu veux regarder un homme de 150 kilos courir en slow mo... <laughs> Bienvenue bien à la, à la zone geek, geek. Sur Radio Campus où nous allons parler de jeux vidéo, de cinéma, de culture geek, de pop culture et de culture de l'imaginaire tous ensemble. Culture culture. Ouais. Culture culture quand tu nous tiens. Voilà, étalons-la comme la confiture. <laughs> et donc euh, mon cher de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, il y a un phénomène qui fait que certains films qui euh, sont euh, relativement bons sont bâchés par la majorité du public et aujourd'hui, nous allons vous sortir chacun notre tour un film que nous aimons mais qui a été massacré par la critique et qui a été en général oui. un succès ouais. euh, un insuccès populaire. Voilà, un, un gros flop commercial surtout, je crois que c'est ça le, le Et un gros flop commercial. Euh... Eh ben, ben, comme on a dit, on commence par, par mon film. Euh, tout, à fait. tout à fait. Oui, eh alors ben, toi, Norgle. Moi, j'avais décidé de parler des aventures du baron de Munch oh de Terry Gilliam. Un pour, un la petite Terry. pour la petite anecdote, nous avons tous les trois eu l'occasion de rencontrer Terry Gilliam au vrai. Festival du Film Fantastique et qui nous a dit est-ce que vous n'iriez pas plutôt avoir une vraie vie oui voilà, voilà, voilà c'est ça, ça. Je pense qu'on est un peu emmerdé mais nous avons pu lui voler quelques, quelques poils de sa barbe voilà. au passage et donc nous sommes oui. des geeks heureux. Oui, Très sympa. Moi ce qui m'a surtout choqué c'était que le fait que le mot geek euh, à son époque c'était une pure insulte. Voilà. c'est vrai c'est vrai. Mais voilà mais il était cool. Mais, et donc euh, bah, les aventures du baron de Munchausen, qui est sorti en 88 si je ne me trompe pas je, je me mais, rends mais compte que je l'ai pas sur mes notes. Sur mes notes. <rire> <rire> donc... Il est sorti un petit peu avant semble-t-il mais voilà on revivra. Ou euh, 88. Bref, ça n'a pas d'importance. Ou 96, ou 71, et ou voilà, 54, ou avant l'invention du cinéma. Voilà. Euh, et donc un, un de ces films qui pour moi est absolument magique, euh, c'est un, une sorte d'ovni, mais un ovni en or massif, euh, qui a complètement loupé son entrée dans, dans les salles et qui a été une, on va dire, une des catastrophes euh, commerciales de Terry Gilliam. Oui. Pourtant, il a rattrapé le coup en VHS, je pense, non euh, oui, oui après, le, le film est devenu culte euh, quand il est sorti en, dans les magasins de location de VHS. C'est fou, quand même. Oui, et, et, mais, mais ça, lui a donné mauvaise, ça lui a donné une mauvaise réputation auprès des, 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 des maisons de production. Bah, il a doublé son budget. Hein. Il avait droit <laughs> à 23 fait... millions de dollars et au final, le film en a coûté 46. Aïe Ça fait mal. Euh... Alors, il y a quand même quelqu'un qui lui a lâché l'argent. C'est-à-dire qu'on qu lui faisait confiance. Mais oui, mais il en est arrivé à un point euh, où, par exemple, euh, Robin Williams, qui joue dans dans le film, a joué gratuitement. Mais comment c'est possible a, bah Parce qu'en fait, ils étaient amis, mais lui, euh, Terry Gilliams n'avait plus d'argent pour engager d'autres acteurs. D'accord. Euh, et d'ailleurs, euh, je raconterai, il euh, y a plein de petites anecdotes. Si on, Robin Williams joue le, le roi de la lune, mm -hmm. et en fait, Robin Williams n'est pas crédité au générique. Parce Réviter que euh, je ne suis pas payé, donc je ne veux pas être dans le générique avec les autres acteurs qui ont été payés. Et en fait, euh, il, il a son petit nom. Donc au lieu de Robin Williams, il est mis Rey di tutto. D'accord. Donc c'est ouais. le roi de tout en euh, italien. Mais à part ça, tu n'as pas du tout euh, dit ce que c'était. Ah Moi, oui, pense, euh, à part que c'est l'histoire. L'histoire, elle est assez farfelue. C'est un film euh, un peu chaotique, on va dire, qui commence dans une ville espagnole qui est assiégée par les Turcs. Et, et dans cette ville assiégée, on joue une pièce de théâtre qui raconte les aventures farfelues du baron de Munchausen. Hein, ça se passe au XVIIe. Et euh, bah, ce qui se passe, c'est que le vrai baron fait son entrée dans la salle de théâtre et dit Quoi :« Quoi Mais c'est pas comme ça que se sont passées mes aventures. Je vais vous les raconter, je vais vous les jouer. » Et c'est comme ça qu'on revit les aventures du baron de Munchausen. Okay. Moi, ce que j'avais beaucoup aimé dans ce film, c'était le fait que on voit les, les personnages vieillissant. Oui, tout à et fait. Et que c'est cool de se dire qu'en fait, ils ont été des héros un jour. Enfin, c'est en... tout un film sur la vieillesse. Sur la, vieille, la vieille, en fait. Qu'arrive-t-il que, qu aux héros quand ils deviennent vieux Mais il y a tous. C'est ce, quelque chose qui revient souvent chez Terry Gilliam. Euh, c'est la, la, la jouvence. Euh, par exemple, dans, dans le, le, Les Aventures du Baron de Munchausen, quand on écoute ses histoires, il rajeunit. Oui. Et quand il n'a pas de public, il redevient vieux. C'est vrai que euh... c est, c est, c est, je trouve ça très sympa et très poétique. Mais le, le film est, est très poétique effectivement et parfois il l'est un peu trop. Euh, j'ai souvent entendu dire. Oui, c'est fou, c'est jamais c'est la folie. C est, c est, ça, ce film fait... est fou, oui, il est... Mais ce que j'ai souvent entendu dire, c'est que le, le livre, euh, donc de l'époque, hein, d'il y a, il y a de, de, 300 ans maintenant, euh, écrit le, les aventures du baron de Munchausen c'était un peu le, le Tom et Jerry de l'époque quoi right. c'était un personnage de cartoon mais dans un bouquin le, le Baron ça. Munchausen. mais on, on retrouve le côté burlesque dans le film quand même un peu pas enfin, même oui. beaucoup mais voilà et c'est tout ça pour dire qu'il y a le côté euh, rêveur de Terry Gilliam qui est bien présent dans le film euh, mais comme hélas souvent ben ça a joué des mauvais tours à Terry Gilliam qui euh, a été de poisse en poisse euh, qui euh, n'était jamais content de, de ce qu'il est de ce qu'il avait filmé euh, parce que il faut se rendre compte il faut regarder le casting du baron de Munchausen hein. le donc euh, bah, le baron il est joué par euh, allez, uh, John Neville qui est peut-être l'un des moins connus c'est il jouait dans dans X Files genre le, le boss du FBI ouais, euh, mais un vieux monsieur avec des cheveux blancs. Bah, bref, tu verrais sa tronche. C'est ouais. vrai que dans le casting, c'est l'acteur qu'on connaissait moins bon. à l'époque. Hein. Voilà, il y a des Monty Python, il y a Eric Idle, mm -hmm. euh, Oliver Reed, qui joue euh, le. Allez, euh, Vulcan, qui paraît-il d'ailleurs était ivre-mort en permanence et <laughs> faisait que euh, draguer Humatterman. Ah bon euh, Donc Humatterman, Robin Williams, Enfin, euh, il, il y a du bon monde. Il y a même Stings qui apparaît à un moment, parce qu'il a gentiment demandé à Terry Gilliam, dont il était le copain, pour jouer un soldat qui meurt. C'est plutôt et, pas mal. Et donc voilà. Et bah, ce, ce film, effectivement, euh, il devrait avoir un statut. Enfin, pour moi, il devrait avoir un statut culte. C'est ouais. être à, à côté des Gremlins, de Ghostbusters, mm -hmm. de tous ces grands euh, blockbusters de ces années-là. Mais euh, est visiblement, compter, ce, qu vra... est est ah, ce qui a vraiment. C'est triste. Ce qui a vraiment cristallisé la catastrophe euh, de, du Baron de Munchausen, c'est qu'au moment où le film est sorti. Donc, tout le monde chiait dans les bottes de Terry Gilliam parce qu'il avait, il avait défoncé le budget. Et euh, il y a eu du. La Columbia Pictures a changé pas mal de gens dans le staff. Et les nouveaux venus ont décidé de couper dans les frais de publicité et de distribution du film. Ah, ça, je et, crois que ça va toucher et, à mon film aussi. Et voilà. Et donc, en fait, le film a été. Euh, la publicité a été très mal faite. Il a été mal annoncé. Ils n'avaient pas assez de bobines que pour distribuer aux différents cinémas. Forcément, si tu ne mets pas de budget dans ta promo. Voilà. Et donc, c'est euh, très... comme ça que ouais. ça, ça a floppé. Et, euh, et que l'ami Terry euh, s'est retrouvé plus bas que terre et à devoir tout remonter. Euh, Pourtant, ce qu'il a fait plusieurs fois. Ouais. Le budget, on le voit. Parce que c'est oui. un oui. film qui est très impressionnant. Ah. Il, y a, il y a même des. Ça compte de faits moderne. Il y a, il y a toute dingue. une scène sur la Lune avec une baleine. Elle a été sur la Lune. Ouais. Et Et ils sont ont son son plus cher. Ouais. Non, il y a des, des images de synthèse, entre guillemets, un, un embryon de ce que vont devenir des images. Tu vois des étoiles qui se rassemblent pour former une baleine qui vole dans le ciel. il existe Gorkab. Ah bah, oui. oui, oui. Gorkab pourra nous confirmer <laughs> ça. Gorkab, qui ouais. est un, un ami. Un ami Et de je ne sais pas. Voilà. C'est des effets digitaux, en tout cas. Je ne veux pas dire Mais des hein, images de synthèse. Comme le Digilus, c'est incroyable, c'est décor. On ne pourrait plus faire ça de nos jours. Ah. Et je crois qu'il a quand même influencé, malgré que c'est un flop. Des Spielberg, euh, les créateurs, les, les grands créateurs de, de maintenant. Oui. Enfin, et il, est, il a ce côté, c'est le côté euh, lunaire de Terry Gilliam. Enfin, il avait déjà ça euh, en Brésil, Brésil. Rien à foutre de la réalité. Moi, je veux que, les je veux que les, mes rêves deviennent la réalité. C'est ça. Hein. Oui, et exactement. il va jusqu'au bout pour le faire. Euh, sinon, bah, j'ai encore une minute pour en parler. Oui, et oui, après, tu peux lancer la musique, on va couper ça euh, à ce moment-là. Il euh, y a dans Le Baron de Munchausen probablement. Ah, L'un des spectres de la mort les plus effrayants que j'ai jamais vu au cinéma. C'est cool. C'est vrai. Il est absolu... Quand tu vois ce truc euh, à moitié corbeau, à moitié squelette, euh, qui se, ça, ça fout les jetons. Et il euh, n'y a rien à faire pour moi, l'une des scènes les plus magiques du film. Vous allez me dire, mais, mais pourquoi François C'est quand euh, man sort dans une, euh, une allez, dans une coquille qui est en fait une reproduction du tableau de la, la Vénus sortant des eaux. Et, euh, et. Et. C'était bien, Materman, Matterman, à l'époque, Mais oui. bon, sur ces bonnes paroles, ben, on va faire une petite pause musicale. Et alors, ce coup-ci, ce que je vous propose, c'est un petit peu un petit côté festif et sucré avec Ninja Sex Party pour Sugar on Me. Pour des raisons évidentes de droit d'auteur, ben, j'ai coupé la musique ici. Si vous voulez avoir nos émissions avec les musiques, eh bien, venez les écouter sur Radio Campus tous les premiers lundis du mois à 19h. Et on est reparti. Eh bien, DJ Nurgle, donc merci pour ce morceau incroyable. Mais de rien, je l'ai composé spécialement pour vous. Merci, on ne t'oubliera jamais. Alors, à tout de suite, passer à, donc, après Le Baron de Munchausen, film euh, malheureusement bâché euh, et, 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 et pourtant culte dans l'histoire du cinéma, Nurgle. Moi, je voudrais vous, vous parler d'un film qui m'a énormément marqué, non pas parce qu'il y a un sarrasin dedans comme moi, je vous rassure. <laughs> Mais parce que je trouve que ce film a été vraiment, vraiment sous-estimé, et je pense que vous l'aimez, je ne sais pas, c'est ça que je voudrais savoir. Je l'ai hier. Voilà, c'est bah, voilà, ah, le 13 e guerrier. Je hier parce que je m'en souviens, mais... Bah, voilà. Le 13 e guerrier de John McTiernan, hein, donc, euh, qui est euh, un film incroyable et qui est adapté du livre de Michael Crichton à qui on devait notamment euh, Jurassic Park. Et donc euh, que raconte le 13e guerrier C'est l'histoire d'un personnage, Ibn Fadalan, qui est un ancien poète de Bagdad et qui est envoyé comme ambassadeur dans les terres du Nord viking, euh, non pas comme euh, récompense mais comme punition parce qu'il avait dragué, on peut dire ça comme ça, l'une des, euh, l'un des proches de, une femme qui était proche de, 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 du vizir, voilà. Et donc en fait, euh, c'est toute l'aventure de ce personnage. Et c'est basé sur ses écrits. Il paraîtrait que le personnage a historiquement vraiment existé. On a ah. des traces. Euh, et donc c'est un récit épique, euh, on peut dire un petit peu héroïque fantasy. Mais ce que j'aime bien, c'est que justement, c'est déconstruire l'héroïque fantasy pour en faire une histoire vraiment qui aurait pu vraiment exister euh, à l'époque. Mm -hmm. euh, J'ai vraiment énormément aimé ce film. Il a souffert de beaucoup de problèmes, notamment parce que Michael Crichton et euh, le réalisateur, euh, Tiernan ne se sont pas du tout entendus sur pas mal de scènes. Euh, et contrairement à ce que les rumeurs racontaient, il n'y a pas eu de, de version plus longue, etc. Mais je trouve que le film en lui-même tient déjà très bien. Et c'est ça que j'ai pas tu, compris. J'ai oublié de dire que dans le rôle principal, c'est le chaboté. <laughs> oui, oui, c'est vrai que c'est Antonio Banderas. Euh, qui joue. C'est pas du whitewashing, c'est du euh, hispanic washing. Voilà. Espèce d'hispanic -no washing. <laughs> non, voilà, et donc, il y a un moment de scène super épique qui aurait pu se retrouver dans un jeu de rôle. Notamment, bah, par exemple, j'ai une traîne que je joue super badass. À un moment, il a une épée viking qui est beaucoup trop grosse et il va chez le forgeron et il se la fait couper en cimeterre. Un <laughs> truc qu'on aurait oui. tous fait dans un jeu de rôle. Oui, oui. oui. Je suis désolé. D'autant plus, plus qu'un cimeterre coupe beaucoup mieux qu'une euh, qu <laughs> épée droite. Mais autre bon. truc super cool, les vikings se foutent de sa gueule parce qu'ils disent ah, regardez, ils, ils montent sur des chiens. Et voilà, et en et fait bah ça, non, je m'en souviens. Ouais, c'est génial. son cheval de chien voilà. et puis à un moment il leur montre un peu et ce que son des pur sang arabe c'est faire et, et alors là ils sont tous sur le banc ouais, parce qu'il fait des courses d'obstacles et c'est ce genre de petite scène mmh. qui pourrait paraître anecdotique mais que je trouve qui crée du fond comme la scène où il apprend à parler les langues du nord. Voilà. Oui. Bon, voilà Et tu sais, Goldo, ouais. donc moi je n'ai pas revu. J'ai lu, ça, regardé le film hier, mais moi je ne l'ai pas revu. Je m'en souviens. J'ai vu il y a une dizaine d'années. Ouais, là, tu as apprécié Je, je l'ai apprécié. J'avais trouvé que c'était un très bon film. Beaucoup de gens à l'époque m'avaient dit ouais, bon, allez, c'est un blockbuster comme les autres. Mais tu sais quel est le personnage que j'ai préféré dans ce film euh, Laisse-moi deviner. Il y en a, ils étaient tous cool. Tu, je crois que tu ne peux pas deviner Non. C'est la vieille. Oh, la là vieille là. qui fait. Will be the elle est bien, elle est bien, elle est bien. Euh, bah, bah, mais je, je trouve, tu parles de la sorcière qui est la, la, la sorcière, prophétie. Mais bah ouais. franchement, cette scène, c'est une scène de jeu de rôle. D'ailleurs, c'est plus ou moins la hein? même scène. Enfin, c'est plus ou moins la même vieille qui a dans euh, le scénario de Dark Heresy ouais. C'est aussi la même vieille qui a dans Cocoon 2 Non, ouais, je rigole. Oui, euh, 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 ouais, toi, tu j'ai lu ton avis vu que tu l'as revu Alors, j'ai vu hier, j'ai bien aimé. Euh, j'ai trouvé sympa, euh, sans plus. C'est encore une ambiance un petit peu à la à la Robin des Bois. Euh, avec Il y a quelque, quelque chose de cas, ça, mais sans hein. l'humour. C'est le côté. C est, c est... Ouais. Comment ça, la... C'est pas un film humoristique. La, du la tout, nouvelle vraiment. génération de KPDP des années 90. Voilà, voilà. exactement, c'est le mot. Et, euh, et euh... la, la bande-son, elle est cool aussi, je suis la bande -son désolé. Est très bien. Je, je l'ai, elle est super bien. Ouais. Et, et, alors, et ça, c'est aussi un des, un des points de désaccord. Un des points de désaccord qu'il y a eu, c'était sur la bande-son entre le réalisateur et, et Crichton. Alors, est Crichton. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans le film, c'est que euh, le 13e guerrier, donc, euh, le, le personnage principal, n'est pas vraiment le héros. Parce non. Que, en fait, il suit donc euh, il suit 12 vikings qui vont combattre des, des créatures dans les bois. Qui sont cool. Et il mmh. y a un euh, roi viking. Enfin, c'est pas vraiment un roi, mais il y a un chef viking un... Qui, qui lui, en fait, fait un tous un les travail. trucs héroïques. C'est ouais, lui va. qui tue les personnages les plus importants. C'est lui qui. Euh, mmh. Je crois qu'on peut spoiler un film aussi vieux, mais qui se sacrifie pour son, sa quête. Et lui, il est un petit peu. Il est, il est un personnage totalement isolé. Enfin. Par, par sa culture, par sa langue, etc. Euh, mais il est aussi un petit peu le, le témoin de tout ça. Ouais, j'ai bien aimé ce côté témoin. Il m'a un peu fait penser à Sam Tarly dans Game of Thrones, finalement. Oui, qui pourrait euh, être le a, témoin. Il y a juste une question qu'on ne va pas vraiment chercher la réponse, mais qui m'a semblé bizarre c'est qu'il y a toute tout un, une partie du scénario qui parle d'un prince viking qui, euh, qui a l'air de, de vouloir leur mettre des, des bâtons dans les roues. Ouais. Et en fait, c'est un point de scénario qui va nulle part. Ouais. Parce qu'un coup, on l'oublie. Mais ça, je pense que c'est un des problèmes qu'il y a eu au montage. C'est que justement, ils ont dû retourner certaines scènes que, que la production ne trouvait pas intéressantes. Et euh, malheureusement, le film a été un gros flop au cinéma, parce que je pense qu'il a généré, euh, pour des coûts, euh, je pense, qui sont énormes, hein, euh, de l'ordre de 160 millions de dollars. Il n'en a rapporté que 65. Donc, c'était vraiment un gros, gros fail. Alors, il ne faut pas oublier que dans le cinéma, quand on donne ce genre de chiffres, ça veut simplement dire aussi, que, en général, quand les films euh, sont rentables, grâce à la distribution, etc. Donc, on parle de chiffres cinéma pur. Donc, après, on ne parle pas de tout ce qu'il y a eu après. Euh, et j'ai trouvé que c'était injustement massacré par pas mal de gens. Par contre, dans la communauté des rollistes, étonnamment, il y en a beaucoup qui ont adoré. Euh... Honnêtement, c'est pas un mauvais film. Euh... Je, je, je trouve vraiment pas que c'est un mauvais film. Je comprends qu'il y ait des gens qui peuvent trouver ça. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens, bon voilà, qui ont, qui ont carrément massacré le film, en disant que c'était pas intéressant. Alors que je trouve que justement, il y a une galerie de personnages, et ça vrai. arrive bien avant Le Seigneur des Anneaux, ça arrive bien avant pas mal de films. Il y a un côté, Hobbit aussi, parce qu'il y a 13, 13 nains. C'est peu. peut-être un peu inspiré. Va, ouais. Bon, il faut savoir que dans le livre, voilà, c est, c est, le livre existait déjà hein, de Michael Crichton, mais euh, je trouve que c'est une bonne adaptation, et ce que j'ai trouvé cool aussi dans ce film... Euh, et c'est pas assez abordé, c'est la démystification des mythes. C'est-à-dire qu'à l'époque, peut-être que les gens croyaient aux dragons sur base de ce qu'ils voyaient, et là on voit effectivement, non, c'est pas des dragons. Et d'ailleurs, à un moment dans le film, on, le film date, on peut le dire, le mec commence à se révéler quand il se rend compte, en fait, non, ce ne sont pas des créatures surnaturelles, ce sont des hommes comme moi. moi. Je sais plus comment ils les appellent, mais. Eaters of the dead. Les, les mangeurs de morts. De mort. oui. Et euh, oui, alors, et ça c'est cool, ce peuple, on ne dit pas vraiment d'où ils viennent, mais ça a l'air plutôt d'être un peuple qui viendrait peut-être, je ne sais pas, des voyageurs venus d'Amérique du Nord qui serait égaré sur bateau, wow. d'autres peuplades, je sais pas. Je sais pas très bien de tout dire. Ouais. C'est juste des, des, des gars qui qui portent des peaux d'ours. C'est juste des gars cool qui mangent des humains. Bah, voilà. Ça peut. Euh, ça, dans ce coin-là du monde à cette époque-là, il y avait plusieurs euh, ethnies différentes. Ouais. Euh, des gens bizarres. Il des Pictes. Des Pictes. Des Pictes. pas le même là. endroit. Voilà. Mais voilà. voilà. Mais Et voilà. Mais pour cool. ré... Ouais. Voilà. Pour résumer. Je trouve que pour les gens qui n'ont pas vu ce film, allez le voir, et euh, c'est une vraie aventure épique. J'aime beaucoup le début avec Omar Sharif. Ouais. Euh, en fait, il y a tout un jeu où euh, les vikings parlent. Euh, je ne sais pas s'ils parlent... quelle langue. -ce qu une langue du Nord, mais ça, ça ressemble à mais, du... Il y en a ouais. un qui traduit ça à Omar Charif en latin, voilà. et qui lui le traduit en, en grec. entre guillemets arabe, c'est-à-dire de l'anglais. Ouais. Ouais, voilà. ouais. Oui, c'est ça. L'arabe et l'anglais ici dans le film. Mais euh, le personnage de Sharif était cool aussi. Ouais. Un sympa. bon mentor que tu vois disparaître assez vite. Ouais. Euh, voilà. Euh, et une fin héroïque, comme on en aime, vachement cool, avec une phrase de fin euh, aussi cool que, que, que I've Seen Things de Blade Runner, etc. qui est euh, Voyez cela, je vois mes frères, voyez cela, je vois mes sœurs. Et il parle de Valhalla, tout ça, c'est cool. Ouais. Voilà. Eh bien, je vais passer à mon film alors. Ah, mais le quel est-il Qui est le plus récent du lot, qui date de 2012. Et que c'est un film, pour aller le voir au cinéma, c'était tout un jeu, il le passait dans une salle. En Flandre, en Belgique. Je me souviens, gilus a dû galérer pour trouver. J'ai dû faire toute. Euh... Il y a même une review, hein, Je oui, pense, oui, c'était dans donc, une cave. Une euh... mini vidéo, ouais. super rapide. Euh, et c'est Dread ouais. Dread 3 D, qui est donc 3 D. Il était euh, déjà il en D, à l'époque D. Moi, je l'ai pas vu en 3 D. C'est pour vraiment le, le différencier du vieux juge Dread avec euh, Stallone. Euh, mais donc, on va juste l'appeler Dread. Et c'est un film d'action que j'ai adoré. C'est une une De mes sorties de salle les plus motivées de, de, de toute ma vie, de toute euh, ta vie, carrément, oui, tout à fait. Vraiment, je suis sorti là parce que j'ai une surprise. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien. En fait, c'est très simple. Mon, mon avis sur ce film, je, je résumerai comme ça il y a des gens récemment qui ont eu euh, un waouh devant euh, Mad Max Fury Road en ouais. disant waouh, ouais. wow. ouais. ça, c'est un film d'action à l'ancienne, vraiment super bien. Mais moi, j'ai eu la même chose. Un peu avant, avec Dredd, euh, ah ouais, en 2012. Okay. Je suis sorti okay. là, je me suis dit, c'est le film d'action parfait. Alors, en le revoyant, je l'adore toujours, mais à mort. Il y a des petits détails que je trouve un petit peu moins bien euh, avec, avec le recul. Mais j'étais <coughs> emballé. C'est l'un le, le de mes grands regrets, c'est de ne pas l'avoir vu au cinéma. Ah, au cinéma. Ouais. Parce que quel, quel putain de bon film, quoi. Ah, c'est ouais, clair. Mais, le résumé rapidement de Dread. Alors, euh, donc, vous, vous avez certainement quand même une vague idée de qui est le personnage de Josh Dread, qui est un personnage de comics, euh, qui est donc, c'est dans un futur apocalyptique où euh, les gens, euh, le, presque la, la majorité de la Terre est invivable, et donc les gens habitent dans des méga-villes, des méga-cities, euh, qui sont des, des, des endroits qui ont la taille, j'ai euh, envie de dire, de Manhattan. Ouais, mais sont dans le qui vivent, il y a dans 100 millions de personnes qui vont vivre. C'est un quoi. entassement de gens monstrueux. <coughs> et donc pour accélérer, comme il y a évidemment beaucoup de criminalité, pour accélérer un petit peu les jugements, les policiers sont aussi euh, juges et bourreaux. Et donc c'est ça, les, les judges. Euh, ce ils sont ont des... le livre de la loi. Exactement, ce sont des policiers. Qui peuvent tuer euh, s'ils si estiment que c'est euh, légal. Pas bah t'es en train de nous parler des flics aux États-Unis en ce moment et Voilà, il y a un petit peu ça. <laughs> c'est un peu des juges aussi. Quoi. Mais c'est un petit peu une critique de ce genre de choses. Ah, hein, J'imagine. Et enfin. Et donc, le, le film réalisé par Pete Travis, qui est un réalisateur qui n'a pas fait grand chose d'autre, qui, qui, qui est sorti un petit peu de la télévision, moi, moi je trouve que son film est, est très bien. Et le budget il est très bas pour un film. Est pas, de il n'est est pas super haut, je ne sais plus exactement. Est-ce que c'était euh, de l'ordre de 35 ou 40 millions de dollars Je crois que c'est ouais, de l'ordre de 30 ou 35 millions, ouais. ce qui n'est pas beaucoup pour un film de ce genre-là et qui est pourtant vraiment beau. Euh, il est vraiment bien foutu les décors euh, etc. Ils sont euh, vraiment des effets assez euh, impressionnants ouais, ouais, dans mon souvenir. Ça. Et ouais. moi je trouve que le point vraiment qui restera comme l'unique de ce film c'est le slow mo. Ah, oui, ah ouais donc voilà donc euh, ça c'est trop génial. C'est mmh. que euh, au début Judge Dredd joué par Karl Urban euh, se retrouve à signer une petite nouvelle euh, qui s'appelle Anderson qui euh, jouée par euh, Olivia qui euh, qui en fait a des pouvoirs psychiques. Et donc, ils doivent aller dans un endroit euh, qui, où, ils ont reçu, où ils ont reçu une alerte. Et en fait, ils se retrouvent dans une immense, un une immense bâtiment qui est contrôlé par une mafia qui fabrique une drogue qui s'appelle le slomo. Alors, première chose, le slomo, c'est un concept absolument génial. parce oui. que Donc, c ça fait partie de l'histoire. C'est une drogue qui nous fait voir les choses en slomo. De, Ils ont manière, intégré à l'histoire voilà, le fait qu'il y a manière, des, des mouvements, slow motion. Et ça c'est cool. Ça permet en fait aux gens pauvres de voir la beauté dans les choses banales. Par exemple, on voit juste la, la méchante qui est jouée par euh, Lena. Euh, I, euh, at, euh, c'est comme Lannister. C'est je ne sais plus le nom de l'actrice qui joue Mama ici. Et on la voit juste dans son bain et elle joue avec l'eau. Et grâce au slow-mo, ça lui donne des effets magiques. Elle clash dans l'eau et elle voit toutes ses petites et ses scènes sont vraiment vraiment bien foutues. Ouais, c'est super bien fait. C'est excellent Et donc c'est à la fois un concept visuel et un concept scénaristique. Et ça, c'est une fusion qui m'a waouh, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et il y a plein de petites choses qui marchent très très bien dans ce film. Par exemple. Ça, ça j'ai trouvé cool. Je ne sais pas. On ne voit jamais son visage. Uh, Judge, ouais. Judge. Euh, Non, non, non. non. C'est parce que, comme dans le comics, on ne voit jamais son visage. Euh, le, euh, Karl Urban a insisté pour qu'on ne voit jamais le, son visage. À l'inverse cool. de Sir, Sir Stallone, à l'époque, mm -hmm. qui avait dit « Oui, oui, non, je suis une star. Je veux qu'on voit mon visage. Mm » -hmm. euh, Mais donc, voilà. Et ils se retrouvent enfermés, quoi qu'il en soit. Ils ont réussi à, à limiter un peu le budget en, se, en jouant ça en huis clos. Et ça, bien joué. Ils se retrouvent enfermés dans un bâtiment où toute la mafia... Disent, voilà, il y a deux juges ici. Ouais, euh, on ferme tout et on, on ferme les bute. Tout, il faut qu'ils meurent. Ça me rappelle ce jeu sur Nintendo, c'est Kung Fu, c'est ça Ou tu dois faire des étages. <laughs> oui, il y a un peu de ça. <laughs> et, euh, et donc, a, ça, ça reprend aussi un petit peu le, le scénario. Ça reprend pas mal le film. Euh... Ah zut, le film indonésien. Euh, oui. Lequel euh... Ah, j'illustre. Je reviens pas sur le, le nom, c'est pas grave. On oui. va continuer. Ah oui, celui qu'on a vu au bif, la ouais, suite. Euh, je oui. voulais juste dire, et comment ça se fait qu'il a flopé ce film alors, problème de distribution. Oui, clairement. Tu l'as dit toi. Hein. Euh, ici, en Belgique, impossible de le voir à, à quelques salles près en Flandre. En France, c'était pas beaucoup mieux. Euh, les pays et dans le monde, il était super mal distribué. Il était très mal vendu. Euh, je sais pas du tout comment ils ont fait leur coup. Quand vous pensez que des films comme Spirou et Fantasio vont être distribués ah. dans toutes les salles en Belgique ouais. Oh là là. ça fait mal tout ça et vraiment c'est un film c'est un film d'action pour moi c'est un des meilleurs films d'action des oui. 20 dernières années et, et, sérieusement moi je, il est au même niveau que Mad Max Fury Road hein. oui oui ouais, dans, dans, le, dans le ton des films d'action j'en garde un bon souvenir si vous ne l'avez pas encore vu ce Dread foncez d'ailleurs qu'est-ce qu'il en est au niveau des VOD et des, euh, en ligne est-ce qu'il a eu un succès alors euh... oui il a eu un succès ah. après coup euh, D'accord. mais ça représente moins aux yeux des distributeurs ça représente moins de choses d'ailleurs il a un gros problème c'est que Dès le début, les gens ont demandé une suite. Voilà. Dès, dès le début, les fans et, et la production ont demandé une, une suite. Mais euh, forcément, comme euh, en salle, ça a été un flop monstrueux, euh, et qu'après coup, euh, le revenu est pas top, ils n'arrêtent pas de relancer l'idée tous les ans depuis 2012. Et donc actuellement, à la sortie de cette vidéo en 2017, l'idée est de faire une série. Euh, ce que je trouve un peu dommage, moi j'aurais préféré un film. Ouais. Mais ça peut être bien fait parce que quand, quand je vois maintenant, il y a des séries qui sont très bien faites et on parle d'Amazon Prime ou Netflix qui va peut-être le, le produire. Et j'y crois et moi je suivrai ça parce que je trouve que c'est un univers euh, très sombre. Ah ouais, le monde excellent. de dread c'est un monde terrible. incroyable. Ouais. Et il y, a plein, il y a plein de choses qui sont dans, la, dans les détails et dans les dialogues qui marchent très très bien dans ce film. On, on explique comment les, les gens sont. Euh, euh, les corps sont recyclés pour faire de la... S'ils si, mettent en scène les fatises, alors là j'ai voilà. hâte de voir. Euh, Il <laughs> y a plein de petits détails par exemple. Les, pour qu'on voit bien l'héroïne sans son casque, eh ben, elle doit ne pas avoir son casque. Et ils expliquent ça à un moment, juste deux points de dialogue. Pourquoi tu ne portes pas ton casque Ça ah, influence mes pouvoirs psychiques. Hop, on n'a pas besoin d'expliquer plus. Il voilà. y a plein de petits trucs qui marchent super bien dans ce film comme ça. Et la méchante. Elle est géniale. Elle est très cool. Elle a des enjeux qui sont intéressants et un passé très tragique. Mama... On ne la reverra pas dans la suite. Euh, non. Non. <laughs> on nous spoilé. Bah donc voilà, je pense que nous avons fait un petit peu un tour enfin, de oui, nos voilà. films euh, qui ont été injustement massacrés et qui n'ont pas eu leur succès d'audience. Je terminerai juste euh, pour vous donner une dernière motivation pour Josh dread Je n'ai jamais vu un film avec autant de façons de tirer dans la, la face de quelqu'un. <laughs> Parce qu'ils ont des balles différentes entre les oui, juges. Vrai. Et donc, ce, selon les balles, ça fait des effets en slow motion complètement différents. Mais c'est marrant. Et c'est très très chouette. et bien voilà, Mais sur ce, les amis. Il euh, vous... reste encore deux minutes. Eh <laughs> ben non, il reste deux minutes. Ah, t'avais pas dit trois ok et bien, ah si, va avec la c'est moi qui me trompe. Donc, en fait, c'est la fin désolé Ah voilà. bah voilà. Et donc sur ce, je mets mon flingue sur euh, balle euh, inifugée et on vous dit à la prochaine Je ne vous oublierai jamais, ciao